راكم بزاف لو قرصوا معايا ودرتوا الجبيد من غير جهدكم، انا شاكراكم وكنطلب من الله يكمل سيرفيسكم على خير وبخير. نجي عليهم كيما عاونهم الله يرزقهم العوانية الدنيا والآخرة، راه ما تقدر تقول عندي شكون من خير تدعو له الله هو خير وأعطى وأعطى، الله يجعل أجركم عظيم مع الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Voilà, je m'appelle Asma Bafrouri, je fais partie de l'association Humanity. L'association Humanity s'occupe essentiellement des malades, des cas extrêmes ou rares. On fait en sorte d'aider donc les gens les plus démunis et de leur donner les soins dont ils ont besoin. Nous sommes effectifs depuis l'année 2012 et nous sommes plus sur le terrain depuis maintenant 3 ans. Nous avons eu plus ou moins 100 cas de maladie et nous faisons en sorte donc de faire le nécessaire pour subvenir aux besoins de ces malades grâce aux dons de l'Mouhsinin. Nous sommes une association qui ne fait partie d'aucun groupe politique. Encore une fois, nous travaillons avec le don de l'Mouhsinin. Parfois, nous travaillons également sur d'autres volets. Durant les fêtes religieuses musulmanes, nous veillons à faire en sorte que les plus démunis, Nas al-Faqirin, reçoivent, comme par exemple, des paniers ramadan ou des moutons pour l'Eid al-Adha. Nous aidons essentiellement, donc, en priorité, les orphelins, les personnes âgées isolées et les malades dans tout le Maghreb, puisque nous travaillons non pas seulement qu'au Maroc, mais en Algérie et en Tunisie aussi. Donc je tiens à souligner que 90% de nos actions sont ciblées envers les malades et que nous essayons d'élargir notre éventail envers le renouvellement des cimetières, des puits et des mosquées. Nous sommes une ASBL bruxelloise qui ne bénéficie d'aucun subside. Nous travaillons avec la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala via les dons de l'Mouhsinin les jazihum bil khair. Eh bien, en fait, les difficultés que nous rencontrons pour l'instant, c'est que nous n'en avons pas de fonds. Et à cause des fonds que nous n'avons pas, nous avons perdu plusieurs de nos malades. Par exemple, il y avait à Casa le cas d'une dame, Fatima, qui avait besoin juste de 1200 dirhams, qui avait besoin juste de 1200 euros parce qu'elle avait le cancer de la matrice. Et les 1200 euros, comme on n'avait pas de fonds, nous n'avons pas pu lui verser. Et elle est décédée, l'arhma. On a eu aussi Ismaël, on a eu Khaddouj, l'arhmoum. On a eu énormément de personnes qui sont décédées faute de moyens. Mais quand je dis faute de moyens, ce n'est pas vraiment des sommes astronomiques. C'était par exemple des 500 euros, des 1000 euros. Voilà. Donc le but de cette interview, c'est de sensibiliser la Oumma vis-à-vis des malades. Car les CHU sont débordés et nous n'avons pas le choix que de rediriger nos malades vers des cliniques privées. Mais mis à part ce point-là, alhamdoulilah, il y a certains médecins avec qui nous travaillons qui favorisent nos malades et qui les acceptent dans les CHU. Notre projet au jour d'aujourd'hui, c'est Sadaqa Jariya, car nous voulons aménager déjà les cimetières au Maroc, mais ici nous avons ciblé une petite ville, un petit village pardon, au Maroc, donc Tserra, car nous voulons encadrer ce cimetière-là, puisqu'il n'y a pas du tout d'encadrement. Nous avons été le visiter, nous avons été déçus de ce que nous avons vu. Oui, nous voudrions encadrer donc le cimetière, mettre un portail, pourquoi pas de la verdure, Inch'Allah,
et sécuriser nos cimetières. Bien, aujourd'hui, tout d'abord, nous attendons des doigts, Ibn Allah, de chaque Mohsinin. Nous aimerions que le Mohsinin veille à nous octroyer des dons, ainsi que toute une assistance logistique, du matériel, pourquoi pas, et leur soutien. Je voudrais d'abord remercier Allah subhanahu wa ta'ala, car nous travaillons via sa baraka. Je voudrais également remercier les membres effectifs de notre association, les membres fidèles de notre page Facebook, ceux qui nous donnent des dons. J'aimerais également remercier les coprésidents du Maroc. J'aimerais également remercier vivement les médecins qui travaillent avec nous ardemment à sauver des vies. La chaîne MRE24 et Jami'in Muslimin. Et une petite parenthèse, je voudrais également remercier Redouane Seyou. Assalamu alaikum wa rahmatullah.